Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux auteurs que tout semble opposer, et pourtant, ils ont abordé le même sujet dans deux de leurs livres. Il s'agit de Colette avec son roman La Chatte et de Tanizaki avec sa nouvelle Le chat, son maître et ses deux maîtresses. Alors en effet, ces deux auteurs, l'un français et l'autre japonais, ont traité de la relation ambiguë, voire même toxique, que certains êtres humains entretiennent avec leur animal de compagnie. Et c'est de ce sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Mais avant, direction la cuisine pour se préparer un petit thé. Alors aujourd'hui, je vais me préparer un thé blanc au safran. J'avais pas de filament, donc j'ai pris du safran en poudre, mais c'est la même chose, c'est les mêmes vertus. Et c'est vraiment un excellent produit, donc c'est un antioxydant, un antidépresseur, un relaxant, un booster de mémoire. Enfin, je vous laisse regarder un petit peu toute la liste des bienfaits du safran. Je vais également rajouter du miel de thym que j'ai acheté à Balos. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos vacances, j'ai acheté ce miel en Crète. Et donc c'est un produit 100% naturel avec de nombreuses vertus que je vous laisse apprécier également. Nous voici de retour dans la bibliothèque pour parler de deux auteurs fabuleux, Colette et Tanizaki. Alors, honneur aux dames, on commence par Colette et son roman La Chatte. Alors, je ne ferai pas de biographie de Colette ici, je vous renvoie simplement vers ma dernière vidéo dans la playlist Biographie, dans laquelle je présente cette autrice. Donc là, je vais juste développer en fait un point précis de son histoire et j'aborderai ensuite le thème du livre. Donc le point que j'ai envie de développer, c'est sa relation aux animaux et plus particulièrement aux chats. Alors Colette a eu une enfance heureuse dans un petit village de Lyon. Elle a grandi entourée d'animaux et surtout de chats. C'est sa mère qui va lui transmettre l'amour et le respect des animaux. Et en grandissant, elle sera nostalgique de son enfance et elle essaiera de recréer autour d'elle un monde peuplé d'animaux et surtout de chats. Ça va lui rappeler son enfance et l'ambiance dans la maison familiale. Alors les chats sont très présents dans l'œuvre de Colette, et ce sont la plupart du temps des chats qui ont réellement existé et qui ont fait partie de sa vie. Tout au long de ses livres, elle va faire une analogie entre la chatte et la femme, entre l'animal et la féminité. Elle admire tellement les chats qu'elle essaie parfois d'en adopter certaines caractéristiques, comme l'élégance et la dignité. Alors l'œuvre de Colette est très sensorielle. Certains disent qu'elle n'est pas très intellectuelle, car elle fait appel aux cinq sens, aux émotions. Colette était très proche de la terre, de la nature, de par son enfance en province, auprès de ses animaux. Et elle a une fascination pour le vivant, au point que certains de ses écrits utilisent l'anthropomorphisme, comme dans son roman « La pêche et les bêtes ». Et donc elle va attribuer des caractéristiques humaines aux animaux. Et dans son roman « La chatte », dont on va parler tout à l'heure, elle va mettre sur le même plan l'animal et l'être humain. Alors il faut savoir que le personnage principal de ce roman est une chatte prénommée Saa, et qu'il s'agit du dernier chat que Colette a possédé. Elle l'appelait tout simplement la chatte. C'était un chartreux pure race. Alors ce sont des chats à la fourrure bleue très douce, et le bleu était la couleur préférée de Colette. Elle écrivait d'ailleurs sur du papier bleu. Au niveau du caractère, les chartreux sont des chats très calmes. On dit qu'ils ont une présence silencieuse et on peut donc comprendre pourquoi cette race convient parfaitement à un écrivain. Ce dernier chat a été son préféré. Ils avaient vraiment une relation privilégiée et après sa mort, Colette ne voudra plus de chats et plus d'animaux. Elle disait qu'aucun chat ne pourra la remplacer.
Alors passons maintenant au roman La Chatte, qui met en scène trois personnages. Alors il y a Alain, un jeune homme de 24 ans, Camille, sa jeune épouse, et Saha, la chatte d'Alain dont il est très épris. Dans ce livre, Alain décrit Saha comme petite et parfaite. Alain épouse Camille qui se montre très compréhensive au début, mais qui va très vite être perturbée par la relation que son mari entretient avec son animal de compagnie. Alors Alain, il est beaucoup dans la comparaison entre Camille, sa femme, et Saha. Au niveau des gestes et de la façon de se mouvoir. Il trouve que Saha est beaucoup plus belle et plus gracieuse que sa femme. En fait, il trouve toutes les qualités à son animal alors que Camille fait l'objet de beaucoup de critiques, voire même de rejets. En fait, il reproche à Camille d'être comme l'odeur des roses qui ôte l'appétit. Il est vraiment pas séduit par sa jeune épouse et il trouve que ses yeux n'ont pas de couleur précise, par exemple. Il dit qu'ils sont noirs, ils traduisent un sentiment de colère latente. Et en comparaison, les yeux de Saha sont jaunes, dorés et ont un effet irrésistible sur lui. Alain va même être gêné par la sensualité de sa femme, par son côté très féminin. En fait, on dirait un petit garçon qui est très immature. Finalement, Camille et Alain forment un couple rongé par la solitude. Il y a une absence de dialogue entre les deux. Camille souffre terriblement de ne pas être le centre d'attention de son époux, qui préfère passer des soirées en tête-à-tête avec son animal plutôt qu'avec elle. Elle est très passive et on dirait qu'elle accepte son sort. On aimerait en fait la secouer pour lui dire de mettre carte sur table avec Alain, mais elle laisse sa rivale gagner et prendre du terrain. Camille souffre tellement qu'elle va commettre l'irréparable. Alors je ne vous dirai pas ce qu'elle va faire et comment Alain va réagir, mais en tout cas dans ce roman, Colette brouille les pistes au niveau des identités. Le chat est sur le même plan que la femme. En fait, la femme est vraiment en concurrence avec l'animal. Et ça est le personnage dominant de l'histoire. Elle mène la danse, et en tant que lecteur, c'est assez perturbant. Passons maintenant à Tanizaki, qui est un grand auteur japonais et qui aura marqué son temps au point d'avoir comme surnom Tanizaki le Grand. Il est né en 1886 à Tokyo et est mort en 1965 dans cette même ville. Il vient d'une famille de riches marchands d'un vieux quartier de Tokyo. Il est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Sa mère était d'une grande beauté et son père était un homme effacé. Alors ça peut vous paraître anecdotique, mais ça a son importance car l'image de son père va ressurgir à maintes reprises dans son œuvre. Il est représenté comme ayant peu de personnalité, faible et dominé. À la mort de son grand-père, les problèmes financiers vont commencer et la famille va devoir déménager dans un logement plus modeste. Et Tanizaki va devoir travailler. Très tôt, il s'intéresse à la littérature. En 1910, il publie Le Tatouage, qui va le rendre célèbre. C'est une nouvelle cruelle et raffinée. Certaines de ses œuvres seront censurées car elles abordent des thèmes comme la perversion, notamment le sadomasochisme et le fétichisme. Tanizaki est l'un des plus grands auteurs japonais du XXe siècle. Alors pourquoi le chat, me direz-vous ? Eh bien parce que le chat est très présent dans la culture japonaise. Pour comprendre à quel point il a une place centrale, voire même mystique, il faut remonter au VIe siècle. En 550, les premiers chats sont importés de Chine et les Japonais sont un des derniers peuples à avoir découvert cet animal. Le bouddhisme a également été importé entre guillemets à cette période. Et les chats avaient un rôle bien précis à cette époque, ils devaient protéger les écrits bouddhiques des rats. Actuellement, c'est le premier animal de compagnie au Japon. Il est très présent dans la vie des Japonais. Toutes les vidéos humoristiques que vous voyez sur les chats viennent pour la plupart du Japon. Il y a même une plateforme de vidéos qui, à ses débuts, était entièrement dédiée aux chats. Certains chats sont même des stars au Japon. Maru, par exemple, a 750 000 abonnés et a fait 24 millions de vues. Ça fait rêver. Vous avez aussi sans doute déjà vu le Maneki Neko. C'est une statue traditionnelle japonaise, en céramique ou en porcelaine, qui lève souvent une patte, voire deux. C'est un porte-bonheur. Ses couleurs ont différentes significations. Par exemple, le doré est censé apporter la richesse. Le noir écarte les mauvais esprits et apporte la santé.
Le vert, c'est pour la réussite scolaire. Le rose est associé à l'amour. Et enfin, le jaune est associé au couple. S'il lève la patte droite, il attire l'argent. Si c'est la gauche, c'est un signe d'accueil. Et s'il lève les deux pattes, c'est un signe de protection. Il y a même une journée nationale qui lui est consacrée et qui est le 29 septembre. Et en plus de ça, il y a la journée du chat qui est le 22 février. Le chat est vraiment très aimé au Japon. Vous avez des marques par exemple comme Hello Kitty, qui a été créée par une japonaise et qui rassemble plus de 50 000 produits différents. Les chats sont également très présents dans les mangas. Il existe aussi des bars à chats et des hôtels à chats qu'on appelle Neko Café ou Neko Hôtel. Il existe aussi différentes îles que l'on appelle des îles aux chats, où il y a beaucoup de chats en liberté, et ça convient parfaitement à la population qui est vieillissante et qui n'a pas besoin de sortir cet animal qui est très indépendant. C'est pas comme si c'était un chien qui avait besoin de beaucoup d'attention. Et donc c'est dans cette ambiance, dans ce pays où les chats sont très aimés et remportent vraiment un franc succès, que de nombreux auteurs japonais vont faire des chats les héros principaux de leurs histoires. Il n'y a qu'à voir tous ces auteurs qui ont parlé des chats. Et bien sûr, Tanizaki n'échappe pas à la règle en écrivant cette nouvelle sur une jolie chatte prénommée Lily qui va semer la zizanie autour d'elle. Passons maintenant au livre de Tanizaki, Le chat, son maître et ses deux maîtresses. Alors dans ce livre, il y a 4 nouvelles et c'est de la première dont je vais vous parler. Cette nouvelle s'ouvre sur une lettre écrite par une femme, Shinako, qui demande à la nouvelle épouse de son ex-mari de lui laisser la garde de la chatte Lily. Elle lui dit que c'est pour son bien et que la chatte va finir par être envahissante et nuire à leur couple. Shozo, le mari, est un peu comme le Alain de Colette, c'est-à-dire il est éperdument amoureux de sa chatte, à qui il voue toute son attention. Son ex-femme sait que l'animal prend beaucoup de place et risque d'ennuyer Fikuko, la nouvelle épouse de Shozo. Et donc, lorsqu'elle propose de récupérer Lily, elle a en fait une idée derrière la tête, récupérer son ex-mari. Elle le connaît parfaitement et sait qu'il ne résistera pas longtemps à vivre loin de son animal, et elle échafaude un plan machiavélique pour l'attirer vers elle. La nouvelle épouse s'en doute fortement, mais elle est tellement excédée par le comportement de son mari qu'elle finit par se dire que c'est la meilleure solution. Shozo n'a pas envie de se débarrasser de son animal, mais sa femme lui tient tête. Il n'a pas le même caractère qu'Alain dans la chatte de Colette, et se laisse faire à l'image du père de Tanizaki qui a un caractère plutôt faible. Une fois que Lily quitte la maison, Shozo est malheureux comme les pierres et va tout faire pour recroiser son animal de compagnie, quitte à se ridiculiser. Alors à la différence du roman de Colette, cette nouvelle est drôle, sarcastique et elle soulève le même problème mais l'aborde différemment. Là encore, l'animal occupe une place centrale, quasiment humaine. Il y a un brouillage au niveau des identités mi-homme, mi-animal. Mais Tanizaki choisit l'humour pour parler de ce problème. J'ai beaucoup aimé ces deux livres. La chatte de Colette est très bien écrite et décrit parfaitement les personnages. On ressent de vives émotions à sa lecture, de l'animosité contre Alain, qui n'arrive pas à aimer sa femme et qui est insensible à la souffrance de celle-ci, de la colère contre Camille, qu'on aimerait secouer comme un cocotier pour qu'elle réagisse. Et dans la nouvelle de Tanizaki que j'ai lue après, on est presque content que la nouvelle femme de Shozo ne se laisse pas faire et impose ses règles. Elle empêche qu'un ménage à trois avec l'animal ne s'installe et c'est plutôt sain. On assiste à des scènes cocasses, et le personnage de Shozo est bien plus attachant qu'Alain. Il est plus conciliant et moins insensible aux sentiments de sa femme, même si au final il ne renonce pas vraiment à son animal chéri. Alors les deux auteurs ont un style très intéressant, le vocabulaire est très riche chez Colette, et ce sont vraiment deux auteurs que j'ai envie de découvrir davantage et que je vous recommande fortement. J'ai beaucoup aimé ces deux livres. Alors cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à bientôt !